bien bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur FS17. Nouvelle vidéo, petite présentation de mode, un mode vraiment sympa que je vais vous présenter aujourd'hui les amis. On est sur la map Auenbach, bon ça au pire on s'en fiche un petit peu, mais regardez, c'est ce mode là, c'est le IMT 577, version de luxe je crois, que je vais vous présenter, parce que franchement, à voir comme ça, il paye pas de mine, enfin on se dit ouais il est pas, il n'y a rien de spécial. Mais franchement les amis, c'est vraiment un mode plutôt joli, plutôt bien fait. Je vais vous montrer déjà tout de suite dans le shop où il se trouve, ici déjà, j'étais déjà dessus, pardon. IMT, voilà, de 577, version de luxe, à 8 500 €, voilà. Pas personnalisable, mais bon, on s'en fiche un petit peu, c'est pas là l'intérêt, 80 chevaux, vous voyez. Enfin, franchement, c'est pas l'intérêt principal de ce tracteur. On va monter dedans. Déjà, essayez d'écouter le bruit au démarrage. Donc un bruit plutôt sympa. Concernant les textures, enfin, franchement il est un tracteur qui est propre, hein, il n'y a pas grand chose à lui redire. Les textures sont belles, la 3D est vraiment bien faite. On a les rétros qui marchent. Sinon sur les pneus arrière, on a les pneus arrière Michelin. Donc plutôt réaliste aussi, plutôt que des Trelleborg je pense. Ouais, c'est ça de base du jeu, là ça change un petit peu d'avoir des Michelin, c'est tout sympa. Et regardez les détails du moteur. On a le ventilo qui tourne en jaune là-bas. Bon, en jaune, je trouve qu'il fait un peu tache, on va dire, par rapport au reste, mais bon, c'est pas vraiment grave. Petit filtre en bleu là, petit filtre à huile, ou à gasoil, donc je pense que c'est un filtre à huile. Le moteur vraiment bien dessiné, enfin, tout est propre sur ce IMT, j'ai envie de dire. Il a un peu la gueule des Massey, des vieux Massey, donc après, je connais pas la marque IMT, mais je trouve que ça ressemble vraiment aux anciens Massey, je sais pas ce que vous en pensez. Mais voilà, franchement, mais c'est encore, j'ai envie de dire, c'est encore pas là où il est le plus bluffant. Regardez les amis, je vais monter dedans. Hop, l'intérieur plutôt propre. Pas grand chose à lui redire, hein. Franchement, un bel intérieur. Alors, regardez, déjà au niveau de l'IC, alors par contre, il faut que je remette. Donc, bien sûr, on peut ouvrir les portes. Bon, les portes font pas de bruit quand elles s'ouvrent, hein, mais bon, elles s'ouvrent vite, mais c'est pas le plus grave. On a tous les petits boutons. Ça va être. Qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah oui, on a le plafonnier, d'accord, ok. Petit bouton du plafonnier, ok. Feu de travaux. Attendez, faut peut-être me mettre. Non, qu'est-ce que c'est ça? Ah si, c'est. Ah mais c'est les feux arrière, d'accord, j'ai même pas fini. D'accord, feu arrière de travaux qui s'allume ici. C'est ça qui est vraiment génial sur ce tracteur, et feu de travaux avant ici. Alors par contre, je sais pas si on a les gyrophares ou pas. Donc bien sûr, la vitre arrière s'ouvre, hein, il n'y a pas de souci. Gyrophare, je ne vois pas de bouton de gyrophare, mais écoutez, c'est pas très très grave. Ça c'est les feux de travaux. Alors, ce qui est plutôt sympa aussi, je peux y attaquer. Voilà. Ce qui est plutôt sympa aussi, ça c'est les feux de route, on va dire. Regardez, c'est vraiment le brouillard qu'on a, imitation du brouillard, j'ai envie de dire. Ah oui, mais c'est que j'ai envie, voilà, d'accord. Imitation du brouillard, un petit peu comme c'était la brume et tout, franchement, c'est vraiment, vraiment joli, moi j'aime bien. J'aime vraiment bien ce truc. J'ai envie de dire, c'est encore pas là où il est le plus bluffant ce mode. Regardez les amis. Alors attendez, je vais refermer la porte, mais vous allez voir. Hop, tac. Alors vous allez voir les amis, donc on va rester comme ça. Et si on fait Shift gauche E, regardez ça. Si ça c'est pas beau les amis, franchement, si ça claque pas, franchement, j'adore ça. Je savais pas quand j'ai téléchargé en fait, et c'est. Ça me l'a proposé en fait dans les menus de. Dans les fenêtres d'aide en fait, ça me l'a proposé et tout, et je dis c'est quoi ça? Et bien, en fait, voilà, on peut monter, descendre vraiment de façon réaliste, j'ai envie de dire. Franchement, c'est propre, hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Pour les roleplays et tout, franchement, c'est l'idéal, hein. Il n'y a pas à dire. Hein. Franchement, il n'y a pas à dire, c'est vraiment le top. C'est vraiment le top. Sinon, il va jusqu'à 29 km/h ce tracteur. Il est assez lourd, je veux dire, dans le sens où vous pouvez mettre des outils assez lourds derrière, il n'y a pas de souci. Bon, le bruit, peut-être un petit peu, c'est pas ce qu'il y a le mieux, mais bon, voilà. Je vais me dire, c'est pas le plus grave. Franchement, c'est un tracteur qui est propre. Je vous le conseille, je mettrai le lien, bien sûr, dans la description. Donc voilà, on a une capacité de carburant de 39 litres, ce qui est tout à fait raisonnable pour un petit tracteur comme ça. Donc c'est vraiment un tracteur que je vous conseille les amis, franchement, il a de la gueule, il n'y a pas à dire.
Il a de la gueule ce petit IMT. Donc petite, comment dire, petite. Enfin, je peux vous dire qu'il sera dans la prochaine série. Voilà, petit indice du thème, on va dire, enfin, du thème, de l'orientation de la prochaine série que je vous présenterai dimanche prochain. Pas ce dimanche là-bas demain, mais dimanche prochain. Il sera dedans, parce que franchement, il n'y a pas à dire. Il sera dedans, les amis. Donc vous verrez ça. Mais franchement, un très beau mode que je vous conseille. Écoutez, je ne vais pas faire plus long de toute façon sur cette vidéo. C'est juste vraiment pour vous le présenter pour ceux qui ne l'avaient pas encore vu. Donc les amis, bah, n'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis bah, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et ciao les amis.